tué qui viennent de venir. Et bon bah voilà, ils m'ont dit que qu'ils allaient essayer de faire une enquête hein, pour voir s'il n'y a pas un réseau qui se traficoterait depuis un petit moment bah, que j'étais suivi ou quoi. Donc ils vont essayer de la bah, essayer de la retrouver tout simplement. Bah. Parce que j'espère, on essaie de, je vais espérer pas la retrouver, j'essaierai de la retrouver en un seul morceau. Donc du coup bah ici bah, moi je vais même un petit peu me remettre les idées, je vais rentrer deux secondes à la maison. Donc. Bon allez, je vais aller chercher le T7 là au magasin. Il est avec le smart que j'ai été déposé. Ce matin pour qu'il me remplisse, donc bah ma fille a envie de m'envoyer la facture qu'il était pas là. Je sais pas pourquoi mes concessions on dirait qu'il est jamais là. Je connais pas plus que ça pourtant, je vais si je peux traverser, ouais, ok nickel. Hop. Bon ça va pas trop de marche hein, donc je crois que je vais prendre par l'autre côté, on sait jamais. Par le TA tout ça, on sait jamais, peut-être que je retrouve ma voiture, on sait jamais. Bon je sais pas après, bon, peut-être des illusions. Tant qu'à faire. Sinon, je peux repasser par là, de toute façon il n'y a pas de problème. Hop, normalement. Ouais, c'est bon, on va cliquer sur le dessus. Pour démarrer, je regarde dans l'écran d'ailleurs combien il a rempli. Ouais, presque rempli à fond, je crois. C'est jamais être sûr, faudrait que, bah, que je peux. Enfin, peser, non, mais. Par ici, je pense que c'est jamais, peut-être que je la croise. Bon, allez. Ouais. Je vais m'arrêter. Ça a l'air d'être ma voiture, ça, je crois. Ah ouais, merde, c'est ma plaque. Oh putain, c'est pas possible. Bon, je vais laisser le contact, hein, lui. Oh putain, tout défoncé. Waouh. Oh là 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 là. C'est moi quelqu'un qui m'en veut ça. Oh là là. Attends, en plus les clés sont dessus. Bon bah je vais pas appeler les flics je crois parce que sinon. Après je sais pas comment je vais la remorquer, je vais essayer de monter dedans une fois là, je vais voir. Hop. Bon, est-ce qu'elle démarre encore, c'est le souci. Déjà qu'elle déconne pas mal. Bon, je vais essayer de redémarrer vite fait. Voilà, ça marche. Waouh. Oh putain, la pute direction de la voiture. Ouh là là. Oh. Oh putain, tout est cassé. Bon, je vais l'éteindre. Qu'est-ce que je fais? Oh putain, je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas ce que je dois faire après un vol. Normalement, je dois le déclarer aux flics, ça, je suis sûr. Mais je sais pas du coup dans un état comme ça si je peux la récupérer. Parce que normalement ils doivent prendre les empreintes tout ça mais oh putain je sais pas. Ah je suis dans la merde. Bon pour être sûr je vais quand même téléphoner hein, quitte à. Bon du coup bah, je viens de téléphoner aux flics là et. Ils viennent de me dire que voilà ils avaient déjà sûrement trouvé un coupable. Et qui voulait bah justement bon voilà parlever les empreintes puisque bon soi-disant il l'avait déjà fait donc bon après je sais pas hein, je dis ce qu'on m'a dit par contre là je vais essayer de faire gaffe parce que sinon la plus direction la caisse elle est morte quitte à endommager le pare-choc de toute façon on a plus rien à perdre donc bah, ils m'ont conseillé d'aller porter au concessionnaire bon, c'est très gentil des flics mais bon des fois ils se foutent un peu de notre gueule. Bon, par contre là elle va pas plus vite. Hein. Oh putain c'est pas possible. Si je trouve ce gars qui m'a fait ça, qui m'a volé ma caisse pour me la planter, je crois que je vais pas être content, très très content je crois. Emilio qui arrive pas, je sais pas du tout ce qu'il fait hein, comme d'hab. Je suis obligé de la ramener en concession. Hop. Oh putain c'est dur de tourner le volant. Oh. En même temps, j'ai pas mis de concession, hein. J'ai pas mis marque.
elle se coupe toute seule. Je vais se décler dessus et ben voilà. Oh, c'est rien que casser ta journée. Hein. En plus, il n'y a pas longtemps que vous voyez ces produits, ça fait une heure à peu près, même pas. Ça fait même pas une heure qu'on a ouvert ma caisse. Quoi. Donc, après, je sais pas qui c'est vraiment parce que bon, Milou il est pas encore dans la région, mais bon, je crois pas, je vais le suspecter parce que de toute façon, voilà, il est pas dans la région, de toute façon, c'est un grand pote à moi. Mais, je crois pas que je vais devoir. Ouais. Je vais pas l'accuser, de toute façon, je. Il est encore en Amérique, je crois. Bon. Je vais pas quand même faire le FBI à localiser son téléphone, hein, si c'est pas. J'ai de plus en plus de doutes parce que bon, s'il vient pas, c'est qu'il y a une raison, mais j'aimerais pas quand même savoir la raison. Il est endommagé, ça. Mais si à cette théo, je me demande ce qu'il fait. Bon allez, moi je vais finir cette petite bande là qui reste. Bon bah je suis pas vraiment très rassuré à rassasier avec du coup ce qui s'est passé tantôt. J'ai trouvé ma voiture. Ça fait toujours bizarre hein, du coup. Bon, par contre là je vais passer un bout. Bon, ça va être bon. Ok nickel. Par contre, je suis un plus distributeur moi. Ah, c'est bon. On va lever et je vais redéployer. Voilà, ça va être bon. Du coup, je vais rentrer à la ferme. Je reprendrai les Smiths cet après-midi, je crois. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles d'ici là, parce que sinon, ça risque. Je risquerais de péter un petit câble, on va dire. Parce que, avec tout ce qui s'est passé déjà ce matin, entre la découverte de la voiture, les flics qui me disent qu'ils en ont rien à foutre presque de ma voiture, qu'il y a des autres cas plus importants. Ça fait un peu les goûts, hein, parce que bon, si c'est pas, c'était pas ma voiture, c'était autre chose, donc bah, je sais pas du coup ce qui va se passer. Je sais pas du coup ce qui va. Voilà ce qui va suivre. Hein. Hop, je vais passer par ici, essayer de prendre large. Du coup, la tonalisée bah, elle est toujours en réparation, toujours dans mon entrepôt. Donc, bon, je vais me mettre. Je vais me garer ici pour repartir, du coup. Hein. Donc, ouais, la tonalisée, j'attends toujours la pièce, hein, donc on sait sûr. Et normalement, il doit me l'envoyer dans un colis, je crois. Donc, je vais me mettre comme ça. Tac. Ouais, je vais laisser les clés sous le contact. Hein. Tac, je vais refermer. De toute façon, je suis juste à côté. Je vais fermer le portail quand même parce qu'on ne sait jamais. Hein. Je crois que j'aurais pas dû laisser ma voiture dehors hein, la fois dernière. Là. Enfin, ce matin quoi. La fois dernière, ce matin quoi. Ça fout quand même les buts. Hein. Mais bon. Allez, moi je vais rentrer deux secondes à la maison. Je reprendrai cet après-midi. Oh, putain, merde, j'ai oublié mon portable. Bon, c'est pas grave, j'ai regardé l'heure dans mon tracteur. Ah ouais, il est midi 20. Ouais, bon, bah, je vais partir quand même. Plus vite fini, plus vite tranquille, hein, comme ça. Soit je pourrais bien regarder la télé, hein, sans être sur le champ. Ouais, tu vas ouvrir la porte. Toujours pas de nouvelles, hein, mais bon, je sais pas ce qu'il fait. Je vais ouvrir, tirer sur ça. Ah, voilà, nickel. Hop. J'ai reçu un appel aussi des flics qui me disaient qu'ils bah, étaient au concession actuellement pour vérifier les empreintes, tout ça. Savoir que j'ai dit que j'avais. Pour enlever les empreintes, tout ça, mais bah, comme j'ai dit que.
J'avais déjà été dedans, ramené la voiture, donc ils ont les empreintes. Ils vont vérifier, donc bon, voilà. De toute façon, je sais pas ce qu'ils viennent faire. Comment qu'ils trouvent le coupable, moi je m'en fous. Bon, il me semble que c'est ici à droite. Ouais, c'est ici. Ça doit être le chantier là. Donc, concession est actuellement fermée, donc pour les procédés des tests. Comme si ça n'avait pas procédé des tests à la commissariat, mais donc je trouve le coupable, comme je l'ai dit, je m'en fiche. Ah ouais, c'est juste ici. Ouais, avec le problème de la tonalité, là. Cette connerie. Il y a un côté, enfin il n'y a même pas un côté, il y a juste le... Enfin, il n'y a rien quoi. Tac. Ça va être bon. Le détourage, je vais faire comme sur l'autre champ. Bah, j'espère que pour 14h je ferai rentrer parce que normalement Mio m'a dit qu'il m'appelait. J'ai pas trop envie qu'il m'appelle quand je suis sur le champ parce que j'aime bien travailler en peu. Donc, du coup je sais pas. Voilà. Aussi comme ça pour 14h je peux aller voir vos bêtes. Et regarder aussi à la tonne en même temps. Parce que bon j'ai pas encore reçu le colis mais bon. Quand ils auront fini les filles, j'irai voir quand même, parce que ça m'inquiète un peu, ça fait quand même. Je sais pas, ça fait quand même un petit peu de temps quand même que j'ai demandé ma tonne. Enfin ma pièce. Wow, wow. Ah, c'est bien ballonné ici à New York. On m'a dit aussi ici qu'il y avait beaucoup de pillages, hein. Enfin pas de pillages, mais beaucoup de sabotage aussi sur les champs, donc j'ai pas trop. J'ai un petit peu la trouille hein, quand t'entends ça, c'est vrai que t'as un peu la trouille du coup. Mais c'est vrai que c'est assez chiant. Parce que bon voilà, tu dors pas tranquille, hein, tu peux faire ce que tu veux. Quand t'apprends ça, bah, tu dors plus jamais tranquille. Wow, qu'est-ce qui se passe? J'avoue, j'en entends un bruit derrière, je vais voir vite fait. Oh non, putain, c'est pas possible. Oh là là, mais qu'est-ce que ça fout une roche comme ça là-dedans, putain. Oh putain, c'est pas possible. Il y a que des emmerdes aujourd'hui. J'avais dit que c'était pas une bonne journée, putain, c'est pas possible. Oh là là, putain, il est vieux et tout. Ah ouais, non. Là, c'est même pas la peine de tirer avec le tracteur, je vais faire que la bille. Oh putain, cassé, oh là 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 là. T'es tout plié devant. Putain. Je vais faire comment? Putain, mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce que des roches comme ça, ça fout dans la terre? C'est vraiment pas possible. En plus, on les voit pas, mais comme le soir il prend profond. Hein, puis, bon, ben, je sais pas ce que je vais faire du coup. Bon, je vais rester calme déjà. Je crois que je vais faire ça direct. Hein. Comme j'ai pas mon portable, bah, je sais pas appeler, ça c'est une bonne chose. Je coupe les gyros et je prends les clés, je retourne à pied, je crois. Voilà, pas d'autre chose à faire. Pff, oh là là, c'est vraiment pas possible. Entre ce matin qu'on me dit qu'on a retrouvé ma caisse et à moitié démolie, et maintenant mon soir qui est pété, bah, tout va, hein, tout va bien, je crois. Oh, putain, bon, je vais fermer le tracteur, je vais retourner à pied. Voilà. Bah, ça me dérange un peu de le laisser là, mais bon j'ai pas le choix parce que je vais pas laisser le semoir tout seul ici. Surtout que bah, sur les T7 comme ça il y a un anti-vol. Donc, Ah bah tiens, je vois les flics là, ici. Bon je vais pas les déranger de toute façon. Là ça me dérange quand même un petit peu là du coup. Pas que ça me dérange, mais ça me dérange fortement d'ailleurs. Parce que punaise. Bon, c'est à peine si les ennuis continuent pas quoi. Oh putain, c'est pas possible. Je sais pas du coup comment je vais faire, hein. Je crois que je vais devoir le mettre sur un plateau, parce que de toute façon il est pété, donc je vais plus soulever avec. Enfin
Faudra que j'en rachète un encore, hein, et les finances sont assez basses en ce moment en plus, donc tout va bien, on peut dire. Y'a personne, c'est bien. Du coup, bah, moi je vais rentrer, je vais appeler le concession là, et on va voir ce qu'il veut. Hein. Donc, c'est sûr que je vais pas le laisser toute la nuit là-bas, hein, c'est sûr et certain, donc je vais absolument que je vais le chercher. Quitte à péter quelque chose, je vais aller le chercher, ça c'est sûr. Ouais, je vais chercher mon portable, je vais appeler concessionnaire, t'inquiète. Donc on ouvre la porte. Bon bah du coup je vais aller bah, le décoincer moi-même parce que il est pas dispo du coup, hein, il est en plein. Il m'a dit qu'il était en plein déchaumage d'un champ, donc il peut pas venir maintenant. Du coup je vais aller le décoincer. Hein. J'ai pris un marteau et un burin, on va voir ce que ça fait. Hein. De toute façon je suis obligé de le ramener et il m'a dit bon, si tu veux déposer au concessionnaire, je vais regarder chez moi. Hein. Essayer de retaper dedans pour voir. Tu vois, là, je prends une cire ici. On me voit, ce bordel. Bon, bah, allez, hein. On va aller voir ça. On va voir ce que ça donne. Bon, on peut ouvrir. Ouais, parce qu'en fait, faut ouvrir pour que sache faire quelque chose. Bon, je vais voir. Ouais, on n'a rien à faire. Hein. Il est vraiment coincé, chez coincé. Bon, il va monter. Attends, j'ai peut-être une idée. Si je fais ça. Oh là 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 là. Oh putain, c'est pas possible. Ah là, il est carrément pété que j'ai pété. Oh là là, là je le pousse. Là, c'est complètement pété que j'ai pété. Hein. Je vais le déposer au concession. Ça m'embête parce que j'ai quand même des problèmes sur cette vie et ça me fout un peu les boules parce que je me fais voler ma caisse. Après, j'ai des problèmes avec ce putain de déchaud, putain de machin truc là, de ce mois. Bon, allez, on va voir ce que ça donne là. Et c'est passé le monsieur. Bon, pour le moment, je suis le seul agriculteur, mais bon. Ma voiture, elle est là. Bon, allez, j'ai déposé ça ici, moi. Au revoir. Je peux le déposer ici, derrière la caisse. Ouais, voilà. Bon, je vais le détacher. Il m'a dit qu'il fallait le déposer, donc bah, je vais le déposer, quoi. Ça me fait bizarre quand même parce que là bah du coup je suis rien sans rien faire quoi parce que j'ai plus rien à faire du coup j'avais que il fallait que je sème aujourd'hui absolument parce que c'était la saison et il fallait absolument que c'était le dernier jour aujourd'hui et demain j'espère qu'il aura réparé et mais de toute façon je crois que je vais devoir en racheter un nouveau parce que je crois pas qu'il saura faire grand chose. Par contre, le Tessa, je vais le garer. Oh, je vais le garer ici. Tac. Oh là là, c'est vraiment ma. C'est vraiment bizarre quoi. Ça. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il y a une roche comme ça. Pourtant, quand j'étais déchaumé, il n'y avait pas ça, je comprends pas. Et moi qui disais tantôt qu'il y avait du sabotage, mais. Oh, ça devient quand même grave, c'est bizarre. C'est vraiment. Il y a des problèmes quand même. Bon bah je vais fermer et bah moi je vais aller faire ma petite sieste. Hein. Hop. Oh y'a rien à faire, je sais pas dormir avec cette histoire là. Oh là là là. Du coup moi je sais rien à faire, hein. Faut je vais vite faire aller voir au concession. Hein. Ouais, enfin quoique. Ça me perturbe parce que j'ai plus rien à faire du coup. Il n'y avait qu'à faire ça, je réfléchis, mais il n'y a rien à faire d'autre, je crois. Appeler les flics, ils vont rien faire de toute façon, je crois. Hein. De toute façon, si je leur demande ouais qu'est-ce qui s'est passé et tout, ils vont pas me répondre, ils vont me dire ouais, notre enquête est en cours. Donc bah, je sais pas, on peut voir. Hein. Je vais voir quand. Je vais voir quoi, hein. Peut-être nourrir les bêtes ce soir là. Et ce soir j'irai vite voir au concessionnaire. Là. Pour voir si ça va quoi. Bon, allez.
J'ai coupé ma GoPro.